Donc bonjour à tous, vous venez de terminer votre formation sur le PHP et vous êtes intéressé par le framework Laravel, alors cette vidéo est faite pour vous. Alors dans cette vidéo, nous allons simplement introduire Laravel ainsi que les vidéos qui vont venir sur ce framework. Donc il s'agira en fait d'une petite série comme nous l'avions fait pour Ruby. Alors nous verrons ici les différents outils, donc nous allons installer les contrôleurs, compilation des ressources, la base de données, comment la manipuler, etc. Comment récupérer des données, donc avec le fameux fetch, on va utiliser un autre outil avec ça. Ensuite, on va voir comment manipuler les données, c'est-à-dire les supprimer, sauvegarder, éditer, etc. Ensuite, on verra comment créer un formulaire d'authentification, pardon, pour pouvoir inscrire les utilisateurs. Ensuite, on va relier nos modèles afin qu'il y ait en fait un lien entre nos utilisateurs et nos autres modèles. Ensuite, nous verrons comment héberger les fichiers. Et enfin, on verra comment déployer notre application. Voilà. Donc, voyons maintenant donc à peu près comment Laravel fonctionne, donc ce que c'est. Donc en fait, c'est un framework PHP open source. Alors c'est assez drôle parce que les gens qui n'aiment pas le PHP en général, donc je ne suis pas ce genre de personne, je ne suis pas fan du PHP, mais je ne suis pas le genre de personne à complètement le dénigrer, on va dire, comme certains le font. Donc en fait, c'est marrant parce que les gens aiment bien Laravel mais n'aiment pas le PHP. Ouais, ça en dit beaucoup sur ce qu'est Laravel en fait. Ça simplifie beaucoup la syntaxe d'écriture du PHP qui est un peu, disons, étrange. Donc comme dit, ça permet d'améliorer le processus de développement sans sacrifier la qualité de l'application. Alors ça, c'est ce qu'un framework fait de toute façon en général, hein. Ensuite, c'est un framework PHP qui est populaire, qui est d'ailleurs beaucoup demandé, donc des gens me le demandent tout le temps, sans arrêt. Donc je me suis dit que j'allais faire ma prochaine série sur Laravel, comme ça sera fait. Ensuite et enfin, nous avons une architecture MVC, donc Model View Controller, qui est similaire à toutes les architectures évidemment. Donc on verra ça plus tard dans nos différentes vidéos. Maintenant, nous allons voir ce que Laravel apporte à PHP. Donc, c'est des fonctionnalités qui sont en fait très similaires à Ruby on Rails, si vous avez regardé mon cours ou vous avez simplement lu mes derniers articles. Voilà. Donc, nous avons un traitement du fichier root, qui est en fait avec les différents view, modèles, exactement, etc. que nous avons créés. Nous aurons un fichier root que nous pourrons éditer et que nous pourrons donc rediriger nos pages, en fait. Vous verrez ça. Ce sera très pratique et très simple à faire. Ensuite, on a traitement du cache et traitement des erreurs qui seront, disons, moins aléatoires que les erreurs de JavaScript, par exemple. Ensuite, Laravel est plus sécurisé que le PHP. Voilà, donc il y a une couche de sécurité supplémentaire. Ensuite, nous verrons, donc, comme j'ai dit, la manipulation de la base de données avec des fichiers de migration qui vont permettre de créer ces fichiers, mais aussi de les envoyer vers la base de données. Bien sûr, nous aurons une fonction d'authentification, pardon, pour les utilisateurs. Nous pourrons compiler nos ressources ou nos assets, comme vous voulez appeler ça. Ensuite, nous aurons une fonction testing que nous ne verrons pas, parce que c'est un peu trop, disons, c'est un peu long à expliquer et c'est un peu complexe de toute façon. Donc, on regardera ça pour une autre fois. Et enfin, nous avons la configuration d'envoi d'email, donc pour jamais pour récupérer un mot de passe oublié, etc. Ça, on le verra peut-être pas forcément. Voilà. Donc, comme j'ai dit, nous verrons plus en détail chaque point lors des différentes vidéos ou articles en fonction du fait si vous regardez ça sur YouTube ou sur mon blog. Voilà. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. Voilà, si vous avez une question, rendez-vous dans la partie commentaire de cette vidéo, je réponds à tout le monde. C'était Alex, à la prochaine.